Salut à tous, c'est Jeff et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Battle Brothers. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait frôlé la catastrophe avec nos amis. La milice qui avait failli nous attraper, mais on avait réussi à s'en sortir avec une seule perte, qui est clairement une performance, moi je trouve. Heureusement qu'on a été chopé dans la forêt, mais j'ai envie de vous dire, si on n'avait pas été dans la forêt, normalement on n'aurait pas été chopé. Voilà, bon, je m'excuse, je parle avec une petite voix. Vous savez, c'est l'hiver, c'est la maladie, mais on va essayer de se tenir proprement. Et puis de toute façon, il faut faire du contenu pour la chaîne YouTube puisque je n'ai plus de vidéos d'avance. Alors, l'équipe en était où? On avait de très très beaux chevaliers. Karl et Vander qui commencent quand même. On pourrait réfléchir à en mettre un two-handed, franchement. 23 en défense de mêlée, il reste encore un ou deux niveaux à gratter, c'est pas mal. On avait nos spécialistes qu'il nous faut maintenant, ça va être. Voilà, il faut construire un petit Bannerman. On va pas se mentir. C'est un peu la S. Il faut construire un Bannerman et il faut aussi qu'on se trouve. Des carènes, il faut 56 outils, très bien. Le problème, c'est que les villes après elles sont loin quoi. On va quand même aller à Eschinov, ne fût-ce que pour le travail. Et attendez, j'ai coupé les notifications. Ne fût-ce que pour le travail. Et voilà, alors, il nous faudrait des caravanes, des petites supply caravanes à pied. Le problème, c'est que. On n'en a pas des masses. En fait, comme on l'a vu, la plus de personnes se faisaient choper par ici. Si elles sortent de là-haut, il faudra les intercepter, ça fait loin. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme beau contrat? Follow the track, John Crystal, ok, et ça c'est quoi? Une petite mission pour la Quadine, bon. Nos longueurs, formidable, on s'est soigné. Des petits outils. 380. Oui, d'accord. Buy price 123. 127. 143. Bah, dis donc. C'est une somme, hein. Il n'y a même pas d'embuscade sur la route. Ok. Un pêcheur. Bon, on peut essayer. Un garde caravane. Non. Flagellant. Les moines ne peuvent pas être convertis sauf s'ils sont bêtes. Ça pourrait être drôle de convertir un moine, mais. Fatigue résolve. Bah, mais il peut s'en sentir que j'en fous. On va aller là et puis on va aller dans les villes du sud, je pense. Y a une supply, putain, les supplies partent toutes de là. Peut-être pas si on va aller dans les villes du sud, puis on remontera et on campera devant les supplies pour se faire du stuff. Bof, hein. C'est un peu faiblard ça. Ça aussi, ça encore plus. En vrai, est-ce qu'on a beaucoup à vendre? Ouais, on va faire un petit tour. La reine est là, non? Arena. Ouais, on va aller faire un petit tour à la reine. On va pas regarder ce qu'on a, puisqu'on va attendre quand même d'être réparé au complet. Pour y aller. Est-ce que la supply arrive à avancer? Elles arrivent à avancer un petit peu. Mais si elles partent tous d'une à la même ville, on est bien. Ok, bon, là, elle se fait attaquer. Donc elle devrait repartir de là en boucle. 16 ifrit, ils vont m'emmerder ces cons? Oui, ils vont m'emmerder. 10 morts vivants. Ouais. Faites votre vie, voilà. Faites votre vie, moi je me casse. Somgeist, c'est mort! C'est mort! Tu. Bon, un petit combat d'arène contre genre une hyène. Mais vraiment une seule. Le combat easy par excellence. Hop, hop, ça dégage.
On vend bien de toute façon, toujours bien ici. Ça j'en aurais pas besoin. Ça aussi en soi j'ai pas joué avec. On a deux très belles haches, 35, 70, 80, 100. On pourrait se faire un spécialiste de la hache quand même. Fléau, bon, on s'en fout. Pas besoin d'avoir 8 arcs. Les boucliers pourris séparés, ça dégage. Les armures à 90, laissez-moi réfléchir, ça s'en va aussi. Voilà. On n'est pas si mal. Va prendre un peu d'avance quand même. Et tout gladiateur. Deux gladiateurs, ça peut être compliqué comme combat quand même. Manhunter. Les esclaves, les esclaves. Les gens regardent les contrats. Le problème, c'est que ça, avec les invasions morts-vivants. Sodorins. Alors, est-ce qu'on les a vus? Non. Deux gladiateurs. Après, on est nombreux quand même, j'ai envie de vous dire. Ça se tente. Ah, c'est du Pitfighter. Alors, s'il n'y a pas d'homme, ça ira nulle part donc. Ouf. Un gambler, ça peut être pas mal, ils ont souvent des bonnes défenses de mêlée. Attends, besoin d'esclaves, on a encore 3 en réserve. Non, on a deux cultistes en réserve. Ah oui, il y en a un qui est dans la ligne. Vas-y, on va se prendre le petit esclave. Le côté, ce qui coûte rien à entretenir. Weaponsmith. Ouh. Elle est belle celle-là. Peut-être pas incroyable, mais elle est belle. Qu'est-ce qu'on gagne? Accepte, allez. On va juste réparer des armures. Qu'est-ce qu'on envoie avant pour envoyer toi? Est-ce que j'ai besoin d'envoyer un fil? Envoyer un fil, ça pourrait être pas mal pour les séparer. Je pense qu'on est assez fort. Ouf. Elles ont pas de bouclier après. Ok. Toi tu vas là, lui il va là. Tu vas là. Oh, relou. Pas très précis quand même, mon. Let's go. Prière de ne pas mourir. Ok. Bon, ça va. Hop, un peu de tiki stuff, c'est cool. Hein. Bon, les filles qui ont fait leur travail. Ouais,
Scorsese. Il va assez dommage. J'aime bien le projet, mais. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont sur eux, c'est normal. North of Tara. Bon, on peut aller se balader déjà. Si, s'ils viennent de par là. Traders. On sait pas. Bon. Est-ce qu'on évite le contrat? Moi j'ai envie d'aller piller des caravanes et me faire de l'armure quand même. Alors des armures à 150, ce serait pas mal. En fait j'ai peur qu'il y en ait un assassin et comme j'ai pas de tireur, les assassins ils vont me poser un gros gros problème. Donc monter là, attendre un petit peu des caravanes et les pieds, ça me paraît pas mal. A few brigands there, some brigands marion, that's why on a. Oh, a few, donc ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Oh, j'aime ce projet. La quick end sandouille? Non, évidemment. On va au moins attendre la nuit de toute façon. Alors, est-ce qu'on veut du filet ou pas? Je peux te mettre ça en vrai avec Weekend. En cas de besoin, je te mettrais bien un bouclier quand même. Les bandages, je les mets sur le. C'est quoi lui là où il est un esclave? En cas de besoin, tu peux lancer un. Ok, c'est raté. On va rester là, je pense. Il peut aller là, donc il pourrait taper ces trois qui sont là. On va essayer de mettre ceux qui ont des boucliers devant. Plus proche des problèmes. Je te mettrais bien sur le côté écho quand même. Toi, tu sortiras au prochain tour. Ok, alors il y a une belle un beau casque, une belle lance. Ça a pris cher. Oh, ok. Voilà un beau bébé. Ah, il a une belle armure aussi. Oui, c'est un sacrifice, donc bon, c'est pas trop grave s'il meurt. Je vais essayer de repousser lui quand même pour tenter qu'il s'enfuit.
Et c'est un échec. Que je tente un stun, il a quand même une grosse arme. Merde. On va essayer de. Bon, toi t'as déjà joué donc je peux pas te désaligner, mais. C'est tout très dommage, c'est tout le dommage, dommage. Ok, tank des tirs. Bon, c'est pas trop grave, c'est un sacrifice. Ils sont là pour ça de toute façon. Si on peut le tuer, ce serait bien quand même. Est-ce que j'ai besoin de stun? Je sais pas, on va voir. Oh putain. Pas son tour. Ok, tu pourrais être un petit peu dans la merde. Double dodge contre une non c'est pas mal du tout. 73, 67, 14. Bon j'ai raté quoi qu'il arrive. Il faudrait le tuer quand même. Je vois qu'il est un peu à notre corps à corps, c'est gênant. Comme ça c'est pas mal. Hein. Good. Voilà. Bien. Bon, on peut le mettre là. Ça augmente des chances de toucher lui. Ok. Je devais faire ça, je pense. Good, on a son épée. Voilà. On fait ça au cas où il se révèle en mort-vivant. Hein, ce serait quand même bien qu'il. Toi, t'as pas trop pris de hits, mais j'ai quand même envie de désarmer lui. Dommage. Bon, c'est compliqué de désarmer avec le fouet, surtout quand il n'a pas la maîtrise du cleaver. Mais... Bien. Toi, je m'en fous par contre dans ton armure. On peut y aller franco. Toi t'as pas quick ends donc on peut faire ça.
bloque un petit peu. Là, du coup, ok, lui s'enfuit évidemment. Eh, pas mal. Pas envie de mourir, le petit. Toi, attends que l'autre y joue. On va te déplacer après. Ah merde, y'a plus endurance. Hop là, attrapé. Ah, c'est ballot. Ok. Endurance, c'est pas ça. Hein. Toi, casse-toi. Des fois qu'il y en a un qui décide de ressusciter, on sait pas trop pourquoi. Bien joué. Gagné. Bon, toi tu sers plus à rien, mais bon, c'était un sacrifice, donc c'est pas trop grave. On a récupéré une très très belle lance. On a récupéré l'armure, let's go. On a récupéré du très bon stuff, donc c'était rentable. Toi, donc 210, tu peux améliorer ça avec un casque à 230. Toi, alors toi là-bas t'avais quand même un bouclier, mais on l'a plus. Tu te retrouves avec cette merde, bon. C'est un peu la gênance, mais tant pis. Ah oui, c'est vrai qu'on a plein de points. Un casque à 210, bah tu pourrais le prendre. Réfléchis à un truc, j'ai eu quoi aussi en arme? C'est une armure à 170. En vrai, elle est plus utile que l'autre. Hein. Voilà, comme ça, moi, il y a un stuff qui est sauvegardé dans l'inventaire.
Ben voilà. Pas mal du tout ce combat, ça on peut le réparer pour le vendre. Ça, même raisonnement. On a eu du très bon loot. Ah, les points. Les petits points. Notre esclave. C'est dommage qu'il puisse pas être converti parce que je vous garantis qu'il aurait peut-être pas été si mauvais. Hein. Lebrecht. Une quantité de points de vie, ce jeune homme. Hallucinant. Petit Pathfinder. Vendeur qui nous claque un plus 3, c'est bien vu. Endurance, ça va. Hein. Après, niveau point de vie, déjà 106, donc. Battleforge, eh oui. Et après, on te mettra Overrealm et on n'en parle plus. Ah bon, te mettre de la défense de mêlée, c'est un peu criminel vu ce que tu viens de choper, mais. Jackie le cultiste. Attends, il y a 29! Ah, mais niveau 9 aussi. Bon, il est pas né pour être un Bannerman, mais. Oh, les tirages que tu nous fais là. Ouais. On est pour une attaque de mêlée, hein. Un point de prix. Oh. Assiégé. Ah, super. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? 123 à la bouffe. Est-ce que c'est une supply qui est encore partie? Eh bien non. On va monter là-haut et on va essayer de camper pour choper une supply. Des serpents, je m'en fous. Des morts-vivants. Undecided. Find an entrance to the south and somewhere. Qu'est-ce que j'en ai un carré de ça? Oh, un soldat retiré. Alors ça, je crois qu'il faut qu'il soit dumb pour être converti. Bon, de toute façon, il y a des tripouilles. Emerge the old guard. La milice est mort. Bâtard, je sais pas. Bof, 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 bof. Travel to Sandwich in the southwest, defend against the undead. C'est mort, c'est mort. Je combats pas les morts-vivants. Moi je fais l'invasion morts-vivants, mais je vous garantis que je la combats pas. Je la regarde de loin et je la juge, mais. Oh, vas-y, au prix, bon. 113, eh bien, on va faire un peu des coups budgétaires. On va virer toutes les merdes qui traînent là-dedans, là. Mille balles, bon, on est pas mal. West. On va aller quand même là-bas voir s'il n'y a pas de la nourriture ou des outils à un prix, on va dire, raisonnable et raisonné. Test. Ok, on va peut-être le Bannerman là. 3 en résolve, 2 en fatigue, c'est bien. Et en plus, on a un petit point d'attaque de mêlée. Pas de très négatif. Mais écoutez, il démarre à 49 en plus, ce qui est très correct. Avec une petite toile, il pourra monter à 70-80. 88 de fatigue, c'est pas énorme, mais ça se corrige. Écoutez, nous avons notre Bannerman. Il nous en faut de toute façon un moins ou un autre. Qui sert à rien là-dedans? Bof, le cultiste, ok. Bon, j'acquitte de toute façon le sacrifice.
Je vous annonce essentiellement que vous quittez l'aventure. Alors, on va pas te mettre dans la ligne par contre. Bah en vrai, c'est lui, hein. De fouet, toi. Banorman, il est là. J'avais le. Ah non, j'ai jamais eu quelqu'un avec rallye de troupes, donc j'ai pas le. Non, j'ai pas le truc du Banorman. Et toi, tu peux aller dans la ligne, mais je peux te filer un truc un peu plus vénère là que. Que par exemple. A tout hasard, tu n'as pas de trait. A tout hasard. Une petite hache. Alors elles sont là. Hop. Voilà. Là, ça va swinguer. Par contre, il faut une meilleure armure. 200, c'est pas mal. 200, on commence à discuter. Ok, une armure un peu trop élevée pour ce à quoi il sert. Tu iras bien là. 110. Ouais, vas-y, je garde quand même une armure un peu forte en arrière. Après, si il y a un armoreur ici. Un garde caravane. Bof, Brawler. Il est bête, bon, on s'en fout. Fatigue. Ah, c'est un peu. En fait, c'est. Il aura des bonnes stats en défense. Mais il a pas les points de vie. Je sais pas si ça peut. Pour faire un tank, c'est pas terrible, terrible. Après, est-ce qu'on a du personnel à remplacer? On a quand même un esclave qui sert à rien là-dedans. Le problème, c'est qu'il a pas d'attaque en mêlée, donc. Est-ce que ça peut faire un tank correct? Il a quand même déjà plus 5 de base. Il a 3 étoiles. Après, c'est peut-être pas un bon background pour faire des tanks, mais il a quand même de la fatigue. On va essayer. On va essayer de le former. Les talons en plus. Oh là là, regardez-moi ça. Ce titre. Il y a déjà quand même 10 en. 10 en défense de mêlée. De base, 66, c'est correct sans être insane. Ah oui, toi par contre, tire-moi ça là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, de toute façon, lui, en fait, le problème, c'est que lui sera jamais converti. Donc, de toute façon, il va finir par péter les caps par moment. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de personnel là. Alors, c'est pratique d'avoir plein de cultistes, vous me direz. Notamment pour convertir lui. Assez vite. Pour un village où il y a des gens qui disparaissent, c'est quand même pas mal. 428! Ah, nique toi. En tout bien tout honneur, hein, mais on s'en va. Hein. Pareil, les gemmes, ouais, écoute, un bras gauche. Defense, font raiding parties, ok. Le problème, c'est que c'est 510 balles, on va pas loin avec ça. Eh bien, on va aller à Kallenberg. C'est un peu ma nouvelle ville phare. En plus, il y a un armurier là-bas, donc j'avoue que. Peut-être se trouver une petite armure pas trop chère. Nomades, c'est quoi? A pléthore nomade cutthroat, a few nomad slinger, a few nomad archer. Mais cutthroat, c'est des clodos alors. Peut-être pas plus mal parce qu'on a un peu du nouveau personnel, les faire pecs un petit peu. On fait un peu de. Ils ont ou pas ces embouts? Ok, nickel. Vous voyez, ils sont niveau 1 et tout, c'est peut-être bien qu'ils fassent un petit combat un peu pourri pour. On s'est chauffé là. Faut qu'on récupère des armures lourdes aussi. On va continuer nos petits épisodes de guérilla et on va essayer de trouver, voir s'il n'y a pas un petit groupe de. Là, idéalement, il faudrait qu'on ait tout le reste, ceux qui sont à 110 et en dessous, ils aient tous des armures à 150.
Il va pouvoir commencer à réfléchir à attaquer du lourd, quoi. Qu'il a son bouclier ridicule. Ah mais lui il a un bouclier dans son inventaire, mais donne-le à l'autre. Parce que là on a l'air un peu con là. Combien ça? 36. Bonjour. Bonjour. Lui, il a pas récupéré de couteau. Va falloir revoir les inventaires après le combat. Voilà. Caléo! Laissez ce pauvre homme tranquille. Bonjour. Oh, il a pris cher, con. Premier jour là, normalement c'est un stagiaire, il est censé juste regarder quoi. Il aussi prend cher. C'est quoi ces conneries? Ouais. Ok, bon, ça craque un peu partout. Tu m'en reviens? Ah non. Vraiment que c'est que trop de base d'outlaw hein, parce que. Aurait pu être plus compliqué, je vous le dis. Prendre de l'XP quand même. C'était le projet à la base. Bonjour. Il a raté. Coup dur. Vas-y, tire sur le zombie.
Un premier jour d'école compliqué, mais ça fait un peu de ménage, c'est bien. Ça fait de l'XP pour notre Bannerman. Et ça, c'est cool. Par contre, on n'a plus assez d'outils. Ça, c'est un problème. Bonjour, excusez-moi, vous êtes les anciens légionnaires. Alors, auxiliaire, c'est une chose, légionnaire, c'en est une autre. Trading caravan. Je m'en fous. En vrai, c'est un bon endroit à attaquer, mais là, j'ai pas assez d'outils. Alors, bon, déjà, est-ce qu'il y a des outils? Oui, en plus, ils sont pas chers. On voit à bon prix 99, c'est très honorable. Alors, il fallait faire une petite manutention de l'inventaire. Parce que d'après des rumeurs, alors, des rumeurs évidemment. Hein. Non, putain, j'ai du bouclier, je voulais équiper. Ok, go. Mais de toute façon, il y avait lui qui avait un bouclier. Voilà. Tiens. Et toi, il te manquait un couteau. Je sais pas pourquoi t'as une masse, mais pas de couteau. Quand on a un couteau, tu as un couteau, c'est formidable. Bon, on va peut-être se faire le. En vrai, on aura rarement moins cher. 2380, c'est une armure à 210. Je pense qu'on la prend. Commence à avoir du stuff. J'hésite à prendre l'autre, mais ça fait quand même cher. Après, on sera encore large en finance. Hein. Je vais la prendre aussi. C'est trop important à ce stade-là de se renforcer. On peut pas se permettre de faire des pertes là. Pourquoi? Attends, mais c'est un casque à 130. Qu'est-ce qu'il faut avec un casque à 130, Jackie là? Bon, c'est pas grave, tant pis, il le garde. Ça dit quoi? Ok, les brèches, bon. On a déjà perdu un peu de. Il est pas trop mal, il y a quand même Iron Lungs et tout. Lander bof, mais il commence à avoir du bon niveau quand même. On commence à avoir du bon stuff, on commence à avoir du bon stuff. C'est bien. Bon, je pense que dans le prochain épisode, on va s'attaquer à ce camp-là, mais ce sera dans le prochain épisode, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, comme d'hab, dites-moi un petit commentaire, on se retrouve très bientôt sur la chaîne d'Aeroja pour l'aventure. Allez, ciao, ciao!